Ça y est, on y est. Vous êtes rentré pour moi la dernière fois. On est passé par la fenêtre. Vous nous ouvrez. Ouvrez-nous, hein. Vous êtes sûr? Chut! On va se faire toucher. Ne parlez pas. Soyez discret. Allez, venez. Non, j'ai pas peur. Merci. Boum! Taisez-vous. C'est pas normal. Oh, c'était... Pas de plat, par contre. Vous êtes sûr qu'on a le droit? Oui, les propriétaires, ils sont pas là. On n'est pas obligé d'y aller, hein. Vous êtes sûr que la personne... Demain, on y va encore. Demain, on reste devant. Bon, je peux rester devant. On n'a pas la personne. C'est la personne. Est-ce que la personne est dedans? Chut. Allez, venez. Putain, tu fais chier, Théo! C'est creepy ici. Allez, on avait dit qu'on aménagerait le QG aujourd'hui. Ça doit être rien. Venez les gars, on va prendre le canapé. Attendez, je vous aide. C'est bon. Non, dans l'autre sens. Ça doit être sûrement un rat, non? Au calme, Théo, va voir ce qui se passe. Mais pourquoi moi? Mais c'est toi qui as la lampe torche. Vous abusez. Tu nous dis si on peut monter. Ouais, tu nous dis, hein. Tony? Je peux t'aider? Il y a quelqu'un? Salut. C'est des croissants. 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 C'est pour le petit-déj. Pour toi. C'est Armitzit. Vous venez d'où? Russie. Russie. Vous êtes russe? Da. Comment ça se fait? Tu parles français? J'ai... Oktia.
Appris ? C'est bon ça. Merci. Si tu restes ici, je vais t'aider à ranger. Roger. Dis Siri, traduis ranger en russe. En russe, Ranger se dit, чтобы привести в порядок. Ça sert à rien ce traducteur. Je vais t'aider à cleaner la house, la maison, ok? Sergei. Théo. Oui. Merci. Merci. Спасибо. Hmm? Pourquoi t'as quitté ton pays? Why did you leave your country? J'ai pas quitté mon pays. J'ai quitté... War? La guerre? Oui. La guerre. Tu ne voulais pas te battre? T'avais peur? Je ne voulais pas tuer des gens. Salut. Salut. C'est Sarah. Tiens, je t'ai apporté des cornes de gazelle. Pour moi? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi vous aidez-moi? Dans ma famille, on dit ça d'accord. Il faut donner son pain à celui qui en a le plus besoin. Croissant? Non. Des cornes. Cornes. Non. Ok. C'est ta copine? Tu la reverras? Je sais pas. J'ai un truc pour toi. C'est pour ton mur. C'est possible. Théo? Tu nous entends? T'es là? Théo? Ah. Salut Théo, on t'a cherché partout. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas de nouvelles. C'est qui lui? C'est Sergueï. C'est un SDF? Non, c'est un soldat russe. Un russe? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je ne sais pas ce qu'il fait en France, mais il a fui la guerre.
Si c'est un soldat, il a peut-être une arme. Oula, une arme ? Mais non, il ne voulait pas être soldat. Il a désobéi parce qu'il ne voulait pas tuer des gens. Théo, sérieux ? Il est pas net, ce mec ! Il faut prévenir nos parents ! Si tu fais ça, ils vont venir le déloger. Mais tant mieux ! On n'a pas besoin d'SDF dans le village. Imagine, il nous ramène toute sa famille. On va pas accueillir tous les sans-papiers non plus. T'es vraiment trop con ! Moi, je suis trop con, moi, je suis trop con ! C'est pas que de ville. T'es avec les étrangers, toi, maintenant ? Je t'ai jamais vu donner un euro à un SDF, et maintenant, tu veux lui construire un T2 ? C'est bon, laissez-les, tous les deux. Ils ont peut-être d'autres choses à faire. Prépare-toi à du renvoi, ton copain Ruskov. Le meilleur de la chance. Et tout de suite les œufs. Tiens, j'ai chopé le sac de couchage de mon grand frère. Il n'utilise plus et puis même si... Si tu dois partir, ça pourrait te servir sur la route. Partir ? Si les autres ont prévenu la police, il faudrait que tu partes. Fuir ? Oui, fuir. Plou fuir. Ressort. Ou... corne. Une corne. Une corne. C'est pas si bas. C'est pas si bas. C'est pas si. Tony, on avait dit qu'on faisait pas aborder. Tony, arrête, on a juste dit qu'on leur faisait peur. Tony, c'est rien, c'est pas mal. T'es vraiment comme ton père. Et toi, avec ton pote le russe, hein? Vous êtes plus les bienvenus ici. Oh les gars, vous battez pas! Ta gueule, Arnaud! Ok, ok, ben battez-vous. Je suis parti pour trouver calme, pays des libertés. Mais partout pareil. Murtebe.